ça vaut la peine, ça va être vraiment nice. Mais c'est où que tu m'emmènes? Ben, coudonc, t'as-tu peur? Non, j'ai jamais peur. Bon, ben patience, on arrive. Nous y voici. Le sous-sol du collège Charlemagne. Ok, fais vite, on va se faire pogner, Vincent. Ben non, on se fera pas pogner. Mais oui, fais vite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche quelque chose. Ah, je pense que j'ai trouvé. Suis-moi. Ah, je vois rien. Ben oui, ok, rentre ici. Rentre où? Ici, suis ma main. Mais je vois rien, c'est bien okay. Endroit. Ok, non, c'est bon, on est dedans là, t'es prête? Ouais. Ah, ok, c'est bon. Bienvenue à l'inauguration officielle du Collège Charlemagne. Nous sommes une belle école, très internationale, ouverte sur le monde tout entier. Il ne nous manque plus qu'une chose, les élèves. Élèves! 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 Ah, les élèves! Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur... Le directeur, mais aussi professeur de mathématiques, professeur de français, cuisinier, concierge et cireur de souliers à temps partiel. Ok. Chers élèves, asseyez-vous. Je sais pas. Chers élèves, vous êtes les premiers d'une grande lignée qui pourra profiter d'une éducation internationale ouverte sur le monde tout entier qui vous apportera à des grands sommets. Oui. Chers élèves, vous serez les premiers élèves à profiter des premières danses organisées par le collège. Les premières danses? Oh oui, 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 les premières danses organisées par le collège. Danse, ah. Ce vendredi, bien sûr, bien sûr. Mais avant... Allons à la cafétéria pour manger. J'ai fait un ragoût de choux de Bruxelles. Mais, ok. Les maquillages de la soirée ont été réalisés par Euphoria Cerise. Ce sont des maquillages de scène. Ils offrent également des séances de maquillage pour le bal et tout autre événement. Ça shake. Yeah.
que toi, tu fais? Rien! J'essaie de rester debout! Ben, c'est pas toi qui m'as poussé! Ben non, c'est ta stupide machine du temps! Ah ben oui, évidemment, c'est une machine qui m'a poussé! Arrête de te plaindre de t'être fait pousser et explique-moi qu'est-ce qui se passe! Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est très simple! Jean-Philippe a construit une machine à voyager dans le temps pour son projet personnel. Il m'a demandé de la tester, on est rentré dedans. Et voilà! Ok, t'as pensé que le meilleur endroit à visiter, c'était l'inauguration du Collège Charlemagne? Non, pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, pas exactement? Ben, c'est pas exactement ça. Ah, couche, veux-tu? Ok, Jean-Philippe a construit une machine à voyager dans le temps pour son projet personnel, comme je viens de te dire. Il m'a dit qu'il fallait qu'on soit deux pour la tester. J'ai pensé à toi, ma très chère Yara. Qui? Là, ben, moi je pensais pas que ça marcherait. Parce que c'est un projet de secondaire 5, pas la NASA qui a fait ça. Sauf que visiblement, on est rendu ailleurs, dans un autre temps, puis là, ben, on peut plus sortir de là. Comment ça? Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer où la machine nous emmène. Quoi? C'est quoi l'utilité d'une machine à voyager dans le temps si on peut même pas décider c'est où qu'elle nous emmène? Je sais pas, moi, ingéniosité humaine, profil de l'apprenant, quelque chose avec l'ouverture d'esprit. Ok, Vincent. Mais maintenant, on est de retour à aujourd'hui, non? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on est de retour à aujourd'hui. Mais juste pour être sûr... Let the spark come out. We will stand tall. Hey, t'as-tu ni? Oui. bon, ok. Donc, je conclue par rapport à l'état du sol et à l'épaisseur des couches sédimentaires et au goût un petit peu salé que nous sommes en 2013. C'est vraiment le sol qui t'a dit ça. Oh oui. C'est pas la musique qui jouait dans le haut-parleur qui t'a aidé par hasard. Non, ça m'a aidé un petit peu. Mais là, tu vois, tout est beau. On est de retour à aujourd'hui. Tout est correct. C'est-tu moi ou j'entends encore de la musique? Hé, hey, ouais, j'entends. C'est-tu... Je pense que c'est lui. C'est-tu François? Je pense que c'est François-Lee. François-Lee? C'est moi, François-Lee! I'm
Cheetos? Vous en voulez ici? Intéressé? Ça va fonctionner à TV, là. Il est presque 19h et vous savez ce que ça veut dire? C'est la soirée du hockey à Radio-Canada. Mais avant de vous présenter l'ultime match entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal, pause météo. Aujourd'hui, en ce 15 avril 1970, il est seulement tombé 60 cm de neige. On voit déjà des signes du réchauffement planétaire avec une température de moins 20 degrés. Man! Oh, en tout cas, les Nordiques, c'est même pas une équipe de hockey, cette affaire-là. Check bien, on va être en l'an 2000, pis ils vont même plus exister. Non, meilleur que ça. Ils vont plus exister, pis ils vont essayer de retourner dans la Ligue nationale, pis la Ligue nationale voudra pas. On est où, là? Là, on est dans le sous-sol de ce joli monsieur. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ferme ta trappe et assis ton jeune homme. C'est toi. OK. Je vous fais savoir que c'est le hockey qui se passe ici. Ben, merci. C'est quoi le score? Hey, tu es vraiment temps de regarder le game de hockey? Je te ferai savoir que Habs Nordique, à soir, tout le monde au Québec est plugué sur son écran. Hey! Pis au pire, si t'es pas contente, là, tu peux aller dans la cuisine me faire un sandwich. Wow! Pas de la servante! Ben, t'es une femme, même affaire. Ah ouais, Yara, fais donc juste y aller. Quoi? Les femmes sont égales aux hommes, qui sont nous, ça serait la fin de l'humanité. Ah, un bon point, monsieur, ici. Ben! Wow, écoutez! Bacon! Barbecue! Chasse et pêche! Faut considérer. Ok, non. La femme est capable de faire tout ce qu'un homme peut faire et encore plus. C'est parce qu'on a tout appris comment faire. Ok, regarde. Peu importe où on est où, peu importe qui vous êtes, il va falloir que vous rendiez compte un jour ou l'autre que les femmes sont égales aux hommes. Fais ça, tu viens! Excusez-moi, j'ai moi un grand poids ici. Excusez-moi. Tu peux-tu? Au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une petite danse? Écoute. Ah! Le breaker, il a sauté. Bon. La TV, elle marche plus. Oh,
J'en reviens pas, c'est tellement bon, c'est fou, je t'arrête. Ok, là, ça va faire tes danses, tes cris, tes chants, je suis plus capable. On dirait Susan Boyle à la boule aux œufs d'or. Vincent, les femmes sont meilleures que les hommes à bien des affaires. Ah, bien sûr, à faire à manger, à faire le ménage, à parler sans aucune raison. Toi, là! On est meilleurs à argumenter, on est meilleurs à danser, on est meilleurs... À danser? Ouais, à danser. Tu danses bien. Pas du rire. Non, mais tu penses vraiment que tu danses bien? Oui, je danse bien. Ben, pas vraiment, là. Mais non, essaies-tu de dire que je danse mal? Ben, entre autres, ben, tu sais, t'es pas le meilleur exemple pour quelqu'un qui danse bien. Hein? Quoi? Ben, tu sais, t'es pas aussi bonne que Mélanie Femme. De dire qu'elle danse mieux que moi. En plein ça, oui. J'aimerais bien ça la voir danser. On va avoir un petit dance-off, tu sais. Un petit dance-off ou pas? Non, non, regarde. Attends, on va aller la voir danser, tu vas comprendre ce que je veux. Ouais. Mesdames et messieurs, Mélanie Femme. Can we go to shopping? Yeah.
C'est quoi? Ah, c'est juste une annonce. Quelle date ça dit? C'est écrit 2030. Wow! On est dans le futur! Wow! Vraiment? Vous êtes là? Bon, venez. Il est temps de décider. Je vous ai convoqué ici parce que j'ai besoin de votre aide. Faut qu'on construise le nouvel iPhone. Le iPhone 13. Êtes-vous Steve Jobs? Mais non, voyons donc, t'es mort. Mais non, mais même à notre époque, il était mort. Non, Steve Jobs. Non. Elle a raison. J'ai faussé ma mort et je me suis mis des rallonges capillaires. Tu sais, les profits de Apple semblaient vouloir descendre. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Hein? Donc, vous avez menti à tout le monde. C'était le seul moyen. Puis, malheureusement, depuis que j'ai quitté la compagnie, ils n'ont pas arrêté d'épaissir et d'allonger, puis de rendre tellement gros les nouveaux iPhones. Checkez l'iPhone 12! Wow, ça doit même plus rentrer dans vos poches. En tout cas, ça rentre dans ma poche. Non, mais regarde, ça rentre dans ma poche. Ah, okay. Parce que, hein, tu sais. Parce que ça rentre. Ouais. Ben, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ben, je me disais, les ventes du iPhone ont été le plus grand à la sortie de l'iPhone 5S. On avait épaissi et allongé l'instrument. Ah, ok, ben c'est ça la solution, check. Ah ben quoi que là, on peut pas plus l'allonger. Non, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Faut juste retourner à l'ancien modèle. Ah, t'aurais pas quelque chose de beaucoup mieux? Raison. Non. Faut faire appel à un scientifique. Un scientifique? Pourquoi un scientifique? Pas de mieux que l'histoire pour comprendre l'avenir. On m'a appelé. Alors. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour le prochain iPhone? Tiens-moi ça, tu vois. Ok. On a un peu de cheveux. C'est bon. Non. Je l'ai. C'est pas tiens-moi ça encore. Oui, c'est ça. Tiens-moi ça. Oh, elle est prête, elle est prête. Je l'ai. Ben, peux-tu voir? C'est ça le conseil. C'est un bogo? Non, c'est un homme de Cro-Magnon. Je suis pas sûr que c'est bizarre. Oh! Oh! Wow! Impressionnant! C'est pour ça que je vous ai appelé. Je savais que vous aviez des bonnes idées. Oui, puis j'en ai une autre aussi. Ok, vas-y, ouais. Quoi? Ouais. Regardez ça, là, dans le coin, là, comme il faut. Ouais. 1 mm. Wow! Like white.
day and night. I toss and turn like there's stress in my mind. Le nouveau iPhone, c'est un mélange de saveurs. Le nouvel iPhone a une fonctionnalité géniale. Il peut conduire une voiture pour vous. iPhone conduit l'auto. Le nouveau iPhone, tu vois comme un iPhone. Pour créer le nouveau iPhone 13, nous sommes inspirés de trois concepts. Le premier concept étant celui de l'électronique. Le nouveau iPhone, c'est une surprise. iPhone, monte le volume. Monte encore plus le volume. Baisse le volume. Le nouveau iPhone, il est polyvalable. Qu'est-ce que ça veut dire, polyvalable? Le nouveau iPhone, c'est comme un cheval, ou encore un poney ou un âne, mélangé avec une poule avec une petite touche de saxophone. Mais... Attends, non, dans le fond, il est pas comme ça. J'aimais l'iPhone et le travail de mes collègues, mais j'en prends tout le mérite. Depuis que le nouveau iPhone est rentré dans ma vie,
Je me nomme Réginald Cardinal. Je suis soldat d'infanterie du 1er régiment de l'escadron 6. 6. C'est juste des mots pour dire que c'est moi qui lave des toilettes. Le général n'était pas là pour vous parler aujourd'hui. Malheureusement, il est parti à la guerre. Mais on m'a demandé de venir vous parler et donner un mot d'encouragement. Alors, je vous dis courage! Non, vas-y, come on! OK. Oui, vas-y, là, on t'a mis là pas pour rien. Go, vas-y, go! OK. Le Canada, est un pays qui, malheureusement, a décidé de faire la guerre avec les Autochtones. Comme le disait René Descartes sur les Autochtones, mieux vaut tous les abattre que d'essayer la réserve. Quelque chose de même. Bon, sur des mots plus sérieux, je vous annonce que vous devez tous aller à la guerre. Bon, prochain point. Le Canada a développé un nouvel armement génial que aucun autre pays va avoir. C'est des élastiques. Il y a 2 ans, on les a développés. Maintenant, on vous dit, vous pouvez acheter une roche. Système de défense. La boîte de carton. On va tout gagner. Je vous le dis tout de suite, ils vont pas nous voir. C'est pour se cacher dans le bois et couleur bois. Alors, je vous dis bonne chance. Ben, c'est ça. Ah, c'est vrai, dernier point. Pour les parents inquiets, oui, nous allons nous commémorer des soldats, malheureusement, que nous allons perdre. Par exemple, ici, j'ai le soldat. OK. Ah non! C'était le caporal maréchal. Alors, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses, oui, quand il était vivant. Mais là, il est mort, fait qu'il en fait plus. Bonne chance! Merci!
Watch your hands, boy. C'est le temps de chanter, de danser, de s'amuser! Ok, ben, je m'excuse, mon bon monsieur, mais si vous savez d'où on venait, là, faut vraiment qu'on s'en aille pour revenir de où est-ce qu'on est. Il est temps, je m'excuse. Bon, ok, d'abord, je vais continuer le party tout seul. Mais avant, je dois honorer certains soldats qui se sont démarqués à la guerre. Alors, je demanderai mon assistante. Alors, je choisis le soldat. C'est ça? Ok, je vais te dire un numéro pour le soldat. Alors, regardez le coupon 00. On commence très bien. 9! 5! 0! 9! Et roulement de tambour, 7! Il y en a-tu un? Y a-tu un bingo? Mauvais soldat! Ok, on va les faire plus vite. Oh, ok, j'ai choisi bien. 0, 0, 9, 5, 1, 3, 6. 0, 0, 9, 5, 1, 3, 6. Y en a un? On a un soldat d'exception? Venez, 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 soldats, venez,
Yo-Yo aussi que je pointe. Non, tu me dis pas. Oh, oh mon Dieu, t'es-tu collé la tête? Ouais. Je suis un peu étourdie. Mais ça va-tu? T'es-tu correct? Ouais, ouais, mais... Oh, mon Dieu. Oh, relève-toi pas trop vite, là. On voudrait pas que tu retombes et que tu te recognes encore, non. Bon, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Non, non, reste là. Comme ça. J'aime ça. Yara? Oui, Vincent. J'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu me vois juste comme un ami, mais pour moi, c'est tellement plus. Je te regarde maintenant, les cheveux tout ébouriffés, les grands cernes en dessous des yeux, les boutons un peu partout. Et je me dis, waouh, t'es vraiment la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. Vincent, c'est ça ou pas ça en ta présence, ouvert les yeux sur toi et sur moi. Yara, je peux plus me cacher mes sentiments. Je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Comment ça? C'est du monde, on est en 2013, là, c'est l'année passée. 2013? Ah, oh, si seulement on pouvait se rendre jusque-là, si seulement on pouvait se rendre jusque-là. Excusez-moi, mon bon monsieur, mais on est quel jour? Ben, on est le 31 décembre 1999. C'est le tournant du millénaire. Qui ça, le tournant du millénaire? T'es-tu folle? Non. T'es-tu folle? Non. C'est le tournant du millénaire, là. On le sait tout. En l'an 2000, les ordinateurs vont prendre le contrôle. Les ordinateurs? Vous comprenez pas. Ils vont créer des technologies tellement petites, puis on va pouvoir se promener avec partout. Tu sais, des téléphones, des jeux, puis là, tout le monde va se promener avec, tu sais, sur leur téléphone. Ils vont devenir un peu comme des zombies ambulants. Tu sais, oh, ça va être la fin du monde. Oh, des zombies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se cacher? On peut rien faire. On peut... Rien. Ah, mais il y a deux minutes, vous disiez qu'on pouvait... Chut! On est comme l'an 196, ma chouette. Les temps changent! Il faut profiter de la vie maintenant. Hey, le coup qui a raison, gars. Vincent, on vient du futur, c'est pas la fin du monde. Ben, je dis, les temps changent, ma chouette. Hein? D'un coup que dans le fond, il a raison, puis que c'est vraiment la fin du monde. Vincent, hein? D'un coup que c'était tout un rêve. Ah, là! Yara, il y a tellement de choses que j'ai voulu faire dans ma vie, mais que j'ai jamais pu faire. Tu sais, comme de même, j'ai jamais été voir un concert rock. Jamais. Moi, j'ai toujours voulu jamais y aller. Là. Un concert rock? Oui, puis... Mais c'est parce qu'il y en a un juste à côté. Il y en a un à côté? Ah, il y en a un juste à côté. Ben là, on a tout le temps. Ben attends, il reste 45 minutes et 30. Et 31. Et non, et 32. Qui? Ben, connaissez les paroles, chantez avec nous! Oh, get on your feet!
Take me on the road.
On se demande toujours où on est? Excusez, mais faites place à l'artiste. Bonjour, monsieur l'artiste. Je vous fais savoir que vous êtes en retard. Pour un artiste comme moi, j'ai pas de temps à perdre, là. Hein? On s'excuse, monsieur l'artiste. En retard pourquoi? Ah, avez-vous vu ça? Les top modèles, toujours aussi stupides. Top modèles? Ben, ouais. Ben, c'est pour le défilé de mode, là. On est dans un défilé de mode, là. Ben, come on, là. Ouais, un défilé de mode, t'sais, où c'est que tu fais genre... Hé, hey, mais attends une minute. Comme un artiste. Mais ça veut dire qu'il y a des mannequins partout, ça. Écoute, je veux pas te décevoir, mais derrière les rideaux, il y a juste des filles. Alright. Mais ça. Mais, le gars, check, on pratique un peu. Let's go. Montre-moi ce que t'as, là, toi, là. Ah oui, c'est bon. Vous êtes très bon. Je dois avouer, vous êtes très bon. Mais, toi, là, toi, mon cher grand gaillard, oui, moi, tu vas devoir t'habituer à cela. C'est quoi ça? Est-ce que c'est des loup-boutins? Oh oui, des loup-boutins. Oh my God! Passe-moi ça, monsieur, a dit qu'il fallait que je m'habitue. C'est normal, c'est les souliers sont genre comme des animaux. Oui! Non, get check. C'est plus comme. Tant, comme un artiste. Veux-tu les mettre, moi? Non, ils me font pas. J'ai déjà essayé. Je peux jamais réaliser mon rêve. Bon, masculin. C'est très masculin, comme vous pouvez voir, c'est vraiment à la mode dernièrement. Bon. Excusez, là, mais là. Une dernière fois. Toi, ma grande, je veux vraiment que tu fasses ressortir le lion et le gorille en toi. Moi, je veux que toi, tu fasses ressortir le lion et le gorille en toi. Ouais, maman, demande-nous qu'est-ce que t'as, toi, hein? Tu veux que j'en sorte le gorille? That purple is
definition make them boys go crazy. They always claim they know me, coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E, R-G, the I, the E. And no other lady put it down like me. I'm certaine jolie fille. Une jolie fille. Voyons. Une jolie fille. Mais voyons. Hey, excuse-moi, est-ce que vous avez vu une jolie fille? Hey, hey, le grand, c'est elle la jolie fille? Ah. Merci. Ben, c'est pas tout. Ah, il y a un spectacle qui vient avec. Venez-vous-en. J'ai fait ça.
Que tenez-vous entre vos mains? C'est un cellulaire. Oh, cher
éligibles. C'est simple, Z, sur son royal, le tien, un cellulaire. Mais qu'est-ce qu'un cellulaire? C'est comme un téléphone, mais mobile. Oh, cher, rêve de tout éligible. C'est simple, Z, sur son royal, Arrête de parler, ça devient étonnant, là, la fin, là. Arrête. Ben voyons, ok, viens-tu te faire une gaffe, moi là? Non. C'est correct, lui. Alors, parlez-moi de d'où c'est que vous venez. D'où c'est qu'on vient? Ben, par votre accoutrement, je vois clairement que vous venez du futur. Ah ben oui, comme de fait, on vient pas d'ici. Non, mais, c'est... Est-ce que plus tard, on va parler de moi dans les livres, comme d'une grande reine, la grande reine Cléopâtre? Ah, bien sûr, hein? On se rappelle de vous comme la plus grande et la plus puissante reine d'Égypte. Certains, Marc-Antoine, est-ce qu'on va se rappeler de lui avec moi? Oui! En un sens, oui. Vous allez en quelque sorte finir ensemble? C'est fantastique! Les asticots! Je ne m'en peux plus! Ok, ben là, je pense que c'est... Non, c'est encore! Moment de s'en aller. Non! Ah! Moi, reine d'Égypte avec Marc-Antoine! Ah! Ben oui, c'est vraiment super intéressant! Faut juste qu'on y aille! Ouais, fait qu'on est... À la prochaine, là, on se revoit! Allez-y! Et pour la gloire de l'Égypte! Oui, c'est ça! Vive l'Égypte! Allez! Servante! Au pied, servante! Ouais, on se rend. Thank you.
Et vous? Vous êtes avec nous? Mais bien sûr! Ah, parfait. Ah ben le roi! Liberté, égalité, fraternité! Bien sûr! Disons-nous, mon cher monsieur, où pouvons-nous nous procurer ces drapeaux? Ces drapeaux? C'est les procurer! Mais qui a de l'argent pour cela à cause du roi? Le pouvoir au peuple! Ça prend un drap, de la peinture, quoi! Je vois, oui. Ah! Oui! Je vais à la barricade! Venez me rejoindre quand vous serez prêts! Sans faute! Oh, la, 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 bien sûr! La, 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 la. Oh, maintenant qu'il est parti, on va visiter Paris, c'est la fête des amoureux! Mais oui, bien sûr, allons dans un café! Ah, oh, arrête, t'es cassant, mais quel accent? Ah, oh, arrête, les sangs! Mais je ne vois pas du tout! Mais je n'ai aucun accent! Existait avant, là, qu'il y avait. On dirait que vous viviez sous une. Tu sais, l'affaire, il y en a plus, là. Ah, oh, sous une roche, c'est ça. Mais, hey. Vous êtes tombés d'arnés. On est d'arnés. En tout cas, je m'en vais. Yolt. Yolt. Ben ouais, Yolt. Yolt. Ben, you only live twice. Tu vis seulement deux fois. Ben, t'es plus genre. 2196?
Jessica, je m'en vais. Ok, Vincent, ramène-moi aujourd'hui. Mais tu sais que je suis pas capable de te ramener aujourd'hui, je la contrôle pas la machine. Pourquoi tu m'as emmené dans cette aventure? Mais j'avais le coup de vivre de quoi, de mémorable avec toi. Je suis tannée de rencontrer des fous, je suis tannée de me cogner partout, puis je suis tannée de ce voyage du temps. Voyons, Yara, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Y'a pas de futur entre nous. Ben oui, regarde, on est en 2302, puis nous, on est là. Vincent, je parle de toi et moi, c'est fini entre nous. Hey, tu sais que t'as besoin de moi pour retourner? Ah, amène-toi!
some reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Goodbye, everybody. I've got to
Quelle date t'es écrit? 20 juin. 20 juin? Ouais. Ok, ben c'est pas si pire, on n'a pas manqué la fin de l'année. Ben oui, on a manqué la fin de l'année. Mais non, il y a la graduation aujourd'hui, puis le prom c'est demain. Ouais. Ben le prom c'est demain. Le prom c'est demain. Ben ouais. Ok, non, ça peut pas être demain. Ben oui, 21 juin c'est le prom, regarde. Mais c'est parce que j'ai pas de robe. Je peux pas trouver une robe en un jour. Ben oui, voyons. Oh my god, je peux pas trouver une robe en un jour. Qu'est-ce que je fais? Je vais mourir. T'es mon. Vincent, aide-moi à trouver une robe. Je vote pas pour rien. Les surveillants du collège. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien, mon cher Jean-Philippe. Il se trouve que la merveilleuse machine à voyager dans le temps que t'as faite, elle marche assez mal. Hey, on peut même pas savoir où c'est qu'on s'en va.
qui aboque tout le temps. Non, mais... parce que vous comprenez pas. Tu sais, c'est un processus de création. C'est comme, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, ceci, là, au pire des pires, là, c'est regarder là-bas. Pas là-bas. Vous allez là-bas. Pas regarder là. Ah, c'est que ça fait. Regardez en avant. Je voulais juste vous dire que, tu sais, peu importe les inconvénients qu'on a dans la vie, on peut toujours revenir de ça, hein? Puis on n'est pas obligé d'en parler pendant 2 semaines, OK? Bon. Alors, j'ai construit la machine à temps comme ça parce que je me disais, les moments qu'on a passés à Charlemagne, là, on va s'en rappeler, tu sais, on a comme laissé notre trace à Charlemagne, mais qu'est-ce qu'on va se rappeler de cette trace-là, tu sais? Je veux dire, ben oui, après cet été, là, on va plus se voir. Moi, je vais être personnellement à Bois de Boulogne. Toi, tu t'en vas à Gérald Godin. Toi, tu t'en vas à John Abbott. Écoute, je voulais pouvoir me commémorer ce moment-là, mais... Écoute... C'est correct, Chiki, là. Ça va aller, mon ami. Mais non, on va continuer à se voir, arrête. Tu sais, on est amis, là. Pourquoi qu'on va toujours se voir? Mais c'est ça que je t'ai pas dit. Dans ma machine à voyager dans le temps, j'ai inséré un nouveau programme. Ah! C'est un programme qui permet de revenir à l'école, dans tous les moments de l'école. Est-ce que vous voulez que je vous fasse essayer? Viens nous le dire, c'est touchant. Oui. OK, ça, c'était vraiment un de mes objectifs. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ta machine, elle est... Elle est quoi? Pétée. Attends, t'as brisé mon projet personnel de secondaire 5? C'est lui, c'est moi. Non, c'est toi. Non, mais... Non, mais j'ai pas fait exprès, c'était pas de ma faute. OK. Ta machine est mal faite, qu'est-ce que je te dis? Bonne chance. De quoi, bonne chance? Toi, je vais t'avoir! C'est le temps d'accueillir nos chorégraphes. Alors, Rémiard Boucher. Responsable du décor.